C'est une femme qui adorait. Parce qu'il faudrait que le monde sache que vous êtes la lignée de Marie. Des femmes vertueuses qui se respectent. Des femmes qui ne considèrent pas leur corps comme la leur, mais qui ont décidé de donner leur corps en sacrifice de louange et d'action de grâce à Dieu. Alléluia. 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 Nous célébrons Marie dans l'Église céleste parce que dans le songe nocturne de Papa Joseph, il a été attiré par l'image qu'il voyait. Une femme qui lui tournait le dos comme si elle cachait quelque chose. Plus il essayait d'avancer vers elle, plus Marie cachait la chose. Jusqu'à qu'il arrive à son niveau et il a découvert que son corps Marie cachait, c'était son enfant, Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Marie lui a dit pour justifier
ses actes. Marie a dit, pourquoi je suis absente dans ton église? D'abord, je croyais en Dieu. Et les serviteurs du Christ. Mais quelque chose me manquait. Quelque chose manquait à sa foi. Quelque chose manquait à son église. La présence d'une femme comme Marie. Il ne faut pas comparer Marie à Ève. Parce que si la Bible nous a dit que Jésus est le deuxième Adam, n'a pas dit moi de Marie. Marie aussi est le deuxième Ève. Le premier Adam et le premier Ève étaient charnels. Mais le deuxième Adam et le deuxième Ève sont spirituels. Et c'est nous que nous avons hérité la grâce de Dieu qui se manifeste dans toutes les églises et dans la vie de tous les chrétiens aujourd'hui. Donc, il n'était pas possible d'honorer le Fils sans honorer la mère qui l'a mis au monde. Marie, la généreuse, qui a porté son fils dans son sein, comme toutes les femmes que vous êtes, vous qui avez mis au monde l'enfant. Juste pour donner l'enfant. Comme un sacrifice expiatoire pour le salut du monde. Ce geste de Marie est si important et capital. C'est cela qui a changé. La face du monde. C'est cela qui nous a apporté nos salut. Parce que si Marie n'a pas élevé son fils pour le préparer pour son sacrifice, tel que Abraham a préparé Isaac pour pouvoir le sacrifier selon le demande de Dieu, le salut et la grâce ne seraient arrivés jusqu'à nous. Amen. C'est un acte noble et louable qui doit vous guider, vous les femmes, dans votre vie de tous les jours. Particulièrement
dans notre société et surtout dans votre foyer. Parce que si vous n'avez pas cette vertu de Marie, cet acte que Marie a posé pour devenir la mère de beaucoup d'hommes, si elle s'est attachée que à son fils, jamais elle sera la mère de tous les hommes. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, pardon. Si elle ne s'est pas pliée à la volonté de Dieu, qui lui a envoyé Gabriel, si elle ne veut pas son mari du même, elle ne peut pas réussir dans sa mission. Ce qu'il essaie de vous dire, vous, les femmes, c'est que l'Éternel vous a créé à force de l'homme. Et non pas le contraire. Si l'homme n'a pas existé, la femme n'aurait jamais existé pour l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu a dit, vous êtes une aide semblable à lui. Cela signifie vous insistez à cause de lui. Est-ce que vous comprenez? Que vous insistez à cause de l'homme. Et quand la femme lutte contre l'homme dans la maison, c'est qu'elle menace sa propre existence. Est-ce que vous comprenez? Puisque c'est pour lui que vous êtes là. Donc, quand vous luttez contre votre mari, vous menacez votre propre existence. Parce que s'il tombe, vous aussi, vous allez tomber. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Pour réussir, parce que c'est une grande mission. La parole de ce soir, c'est une grande révélation que Marie nous envoie. Nous, les femmes. Pour nous dire que pour pouvoir réussir notre vie conjugale, notre vie de couple, nous devons être effacés. Et pour exister de son mari. C'est pourquoi la Bible, Saint Paul, disait dans le premier livre de Matthieu, la lettre, Timothée, excusez-moi. Chapitre 2. Verset 14. Attends.
Exact. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. En devenant mère. Si elle persévère avec modestie. Si elle persévère avec modestie. Dans la foi. Dans la foi. Dans la charité. Dans la charité. Et dans la sainteté. Et dans la sainteté. La femme peut se racheter. Seulement si elle devient mère. La maternité que la Bible parle, ce n'est pas une maternité régionale, mais c'est une maternité spirituelle. Parce que le premier enfant que Dieu vous confie, c'est votre mari. Est-ce que vous comprenez? Alléluia! Alléluia! Pourquoi vous puissiez réussir votre couple? Il faut que vous arriviez à devenir la maman de votre mari. Est-ce que quand vos enfants font des bêtises, vous les abandonnez? Amen. Répondez-moi. Non. Oui. Parce que vous avez du mal à me répondre. Parce que tous maintenant, dans les réseaux sociaux, vous avez des coachs. Ça, c'est vrai. Qui vous suit l'esprit. Parce que Satan a trouvé un moyen pour détruire les foyers et pour égarer les femmes. Jusqu'à même toucher leurs intimités. Pour que les femmes perdent leur dignité de leur personne. Si vous ne devenez pas la maman de votre mari, vous ne pouvez pas douler avec votre mari. C'est pourquoi il y a trop de divorces. C'est pourquoi les foyers ne tiennent plus. Et c'est encore à cause de cela qu'aujourd'hui, mari pleure. Comme Rachel a pleurer tes enfants. Il faudrait que vous priez pour l'esprit de Marie qui habita Myriam dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez Myriam qui prenait le tambourin. Il a joué et toutes les autres femmes courait et venait autour d'elle pour louer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans l'église, c'est ce que vous devez faire. Instaurer la louange de Dieu. Vous rappelez? Quand on devait tuer tous les enfants juifs. Comment Myriam a protégé Moïse? Vous ne vous rappelez pas? Il a mis dans le nid. Il a déposé dans le nid. Et elle le suivait de regard jusqu'à que la princesse d'Égypte le récupère. C'est ce que vous aussi pouvez faire à vos maris. Il faut les protéger. Il faut les protéger. Il ne faut pas souhaiter leur perte. Il ne faut pas chercher à les détruire. Si quelqu'un me dit, moi, mon mari, je me fais marcher avec vos bâtons dans la maison. Tout va lui dire,
ce qui se passe dans sa maison à elle est différent de ce qui se passe chez toi. Est-ce que vous comprenez? Son mari n'est pas ton mari. Parce qu'il y a des maris sans tête. Et lui aussi des vrais hommes. Est-ce que vous comprenez? Qui ne se laisse pas commander par une femme? Même si on les appelle les machos. Hein? Mais ils sont des masculins. C'est comme ça. Parce que une femme ne peut pas protéger sa femme. Un homme que sa femme bat à la maison. Comment peut-il protéger sa femme quand on va la battre dehors? Puisque déjà, la femme peut le battre à la maison. Alléluia. 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 Marie avait une vie sacrifiée. Vous aussi, il faudrait que vous sacrifiez votre vie dans votre foyer. Il est vrai que historiquement, quand il y a eu la guerre, beaucoup d'hommes ont été tués. Et il n'y avait plus d'hommes pour travailler dans les usines. Et puis on a mis les femmes dans les usines. Alors, n'est-ce pas? Oui. Et c'est comme ça que les femmes ont devenu libérées. Et puis, c'est aussi hein, les hommes aussi qui chantent. Ne laisse pas tomber. Et si facile, c'est tout ça, libéré, c'est bon. Vous voyez? C'est eux qui nous ont libérés, et puis c'est eux qui se moquent de nous. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est eux qui se moquent de nous. Si vous voyez comment. Les hommes se moquent des femmes qui couchent dehors. Il faut avoir la chance d'être au milieu des hommes qui parlent trop là. Comment je parle d'intimité et parle dehors. C'est moi qui me dis, hein, il faut que je me dise bien. Déjà, moi, en tant qu'homme, je trouve déplacé que je dis. Au milieu des hommes comme moi, hein, comment je suis intimement avec une femme. Mais pourquoi le faire? Parce que quand je le dis, j'ai honte de moi-même. Parce que c'est mon intimité aussi. Mais il y a des hommes sans scrupules. Il faut faire attention pour les femmes. C'est pour vous que Marie est devenue un exemple. Alléluia. 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 Je voudrais que vous, les femmes, vous soyez debout. Amen. À l'autel de vie. Amen. Parce que si vous êtes debout, l'autel de vie sera debout. Amen. Mais si vous tombez, l'autel de vie sera tombé. Que cela ne soit pas pour nous. Amen. Organisez-vous. Consentez-vous. Bannez la jalousie au milieu de vous. Et marchez ensemble. Marchez ensemble. Et bâtir une église meilleure. C'est grâce à Marie que Jésus a réussi sa mission. Et ça, c'est grâce à vous que nous avons aussi réussi notre mission à l'autel de vie. Si vous parlez peu et que
acceptez un peu. Et ne pas vous vendre moins cher aux hommes. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez oublié que vous êtes les enfants de Marie. La sanction de Marie, c'est que Marie ne pouvait plus tolérer l'injustice qu'il y a dans ce monde de vanité, la méchanceté au milieu des hommes. Et pourtant, malgré que la connaissance de la Sainte Écriture a inondé la terre, mais les hommes n'ont pas changé. C'est le mal en pire. N'est-ce pas? Il faut suivre la guerre en Ukraine. Comment les hommes s'entretuent dans notre siècle. On se demande pourquoi nous sommes animés d'un esprit de domination et de pouvoir. Pourquoi un pays doit dominer sur notre pays? Je ne comprends pas. C'est une magie. Admettons qu'il y a des colonisés et des colonisateurs. Mais ça a duré quand même une occasion, ça suffit. N'est-ce pas? Je ne fais pas la politique, mais je dis ce qui se passe au milieu des hommes. Comme même dans l'Église, des gens que Dieu a élevés à une dignité dans l'Église. Ce n'est pas pour être servi, mais c'est pour servir les autres. Et certains ont pris ça comme une raison pour dominer sur les autres. Et soi-disant, se mettre en valeur. La valeur qui n'est pas ajoutée, mais qui est extraite. Pourquoi quelqu'un soit valorisé, c'est qu'il y a une valeur ajoutée. On est toi qui n'as pas de valeur ajoutée. C'est vrai que vous portez des beaux sacs avec des sangles qui viennent de l'entrée jusqu'à le fin. C'est vrai que parfois vous prêchez bien. Et même quand vous chantez mieux que Michael Jackson, et certains même pour donner toute leur richesse à Dieu. Mais ce que Dieu a besoin de vous, c'est votre changement. Est-ce que vous comprenez? C'est votre changement. Il faudrait que quand vous êtes dehors, Jésus soit fier de vous et que Marie soit honorée par vos bonnes actions. C'est très important. C'est très, très important. Qui sont ces chrétiens qui se plaignent tout le temps, qui parlent mal des autres? Qui calomnie leurs frères et leurs sœurs. Non seulement il dit des mensonges, mais il respire même des mensonges. Peut-être que je vais trouver d'autres choses avant que je finisse la prédication.
Il faut vraiment prier pour moi. Parce que alors que je suis nigérian, je suis prêt de devenir ivoirien. Je crois que on me dise Apocalypse 2, 26 et 27. Et que quelqu'un me prépare Jean 8, 44. Apocalypse 2, 26, 27. À celui qui vaincra. Il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Je donnerai l'autorité sur les nations. Verset 27. Il les pètera avec une verge de fer. Il les pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même. Ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir. J'en ai reçu le pouvoir. De mon père. De mon père. Est-ce que vous comprenez? Il faut résister à toutes ces tentations et vous mettez à l'abri de toutes ces mauvaises choses qui se passent dans le monde. Jean 8:44. Vous avez pour père le diable. Sans qu'ils ne vont pas suivre Marie ou qu'ils refusent l'héritage de Marie. Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et dans les églises, beaucoup d'entre eux, ils vont toujours accomplir le désir de leur père. Satan le content. Continue. Il a été meurtrier dès le commencement. Mais il a été meurtrier. Meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'est pas capable de se tourner dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge. Lorsqu'il professe le mensonge. Il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Et mais moi. Mais vous n'êtes pas. De cela, n'est-ce pas? Non, je vais vous dire comment on reconnaît un menteur. Alléluia. Alléluia. Avant que quelqu'un connaisse comment on reconnaît un menteur, nous le dis ici. En bas, dis-moi comment tu le connais. Quand tu vois comment je lui vois d'abord, j'ai oublié comment. Malheureusement pour toi, c'est pas toi qui prêches, c'est moi qui prêche. Il faut se méfier des gens qui parlent des autres derrière. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois que vous il faut te détourner de la vérité. Parce que, après que la voix dit, il a dit, ne dis pas que c'est moi qui te moi, je n'ai pas de problème. Sauf que je dis là, garde-moi pour toi-même. Comment tu peux gagner quelque chose que tu ne peux pas vérifier? Comment est-ce possible qu'on puisse te manipuler aussi facilement? Toi qui es un fils chrétien, qui a l'esprit de Dieu vivant, la sagesse du Christ. Et l'enfant de Marie, pourquoi
As-tu tombé aussi bas? Parce que quand Gabriel a salué Marie, la Bible dit, quand Marie lui a demandé, comment est-ce que son âme vous serez arrivé? Parce que je ne connais pas d'homme. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelqu'un a dit ça pour nous dire ça? Marie dit un homme. Oui. Verset 34. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Puisque je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit. Alors l'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Viendra sur toi. Sur toi. Le Saint-Esprit reviendra sous toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Sera appelé Fils de Dieu. Sera appelé Fils de Dieu. Amen. Merci. Élisabeth? Non. Merci. Donc, n'a pas été créé par une semence entière, mais par une semence incorruptible. À la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes devenu une nouvelle création de Dieu grâce à Marie. Qui nous a donné Jésus en sacrifice expiatoire. Donc, vous n'êtes plus jamais, vous êtes spirituel. Et ce qui est esprit marche dans la vérité. Vous comprenez? Il n'est pas manipulable. On ne peut pas le manipuler. Si tu as manipulé encore, c'est que tu es bien. C'est que tu es chaleur. C'est que tu n'es pas encore spirituel. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'êtes pas docile à votre mari, c'est que vous allez manger des fruits interdits. Et que vous voulez en donner à manger à votre mari aussi. Parce qu'il faudrait qu'il soit sous votre domination. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que ça vous dit. Et quand Dieu dit que la femme respecte son mari, ce n'est rien. Quand Dieu dit que le mari aime sa femme, est-ce que vous vous rendez compte l'engagement que Dieu a fait signer l'homme concernant la femme? D'aimer la femme, d'abord pour s'aimer soi-même, c'est difficile, sans parler aimer quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que les femmes ne sont pas convaincues là. Peut-être que vous avez l'habitude de faire des mauvaises rencontres dans les bars. Parce que vous avez des mauvaises fréquentations. Mais quand vous fréquentez des vrais hommes, ils ne parlent pas de femmes. Hein? Avant qu'ils achètent un manteau pour eux-mêmes, ils ont déjà acheté trois pour leur femme. Avant de manger une fois, peut-être que leur femme a mangé déjà trois fois. Oui. Ils s'occupent bien de leurs enfants. N'est-ce pas? Et de plus en plus, les femmes sont devenues menteuses.
Elle montre, oh, elle pouvait parler. Oui, il y a beaucoup de femmes qui vivent sur la taille des hommes. Vous ne savez pas ça? Oui, parce qu'elles sont coupées. C'est vrai qu'il y a aussi des hommes qui font pareil. C'est pourquoi nous avons la chance, avant de s'engager quelque part, on consulte l'Éternel. N'est-ce pas? J'espère que vous le ferez. Oui. De plus en plus. Toujours. Pour que la grâce de Marie se repose sur vous. Amen. Quand Marie est avec vous, Satan ne pourra plus jamais vous vaincre. Amen. Vous comprenez? Oui. Parce que la grâce que la femme a reçue dès le commencement de la création, c'est que ça peut arriver que le serpent mord la postérité de Ève au talon, n'est-ce pas? Oui. Mais la postérité de la femme va toujours écraser la tête de du serpent. C'est pourquoi la chanson a dit Satan s'est éteint de sa sang, mais jamais il aura la victoire, mais jamais il aura la victoire. C'est pourquoi arrangez-vous de faire partie de la postérité de Marie. Vous comprenez? Parce que Marie protège ses enfants. Il les couvre comme une poule couvre ses poussins. Il les suit jusqu'à la mort de la croix. Même quand Jésus est descendu de la croix, Marie était là, n'est-ce pas? Pour le recueillir. Et à la résurrection, elle était la première à être au tombeau avec les deux autres femmes, n'est-ce pas? Une vraie femme ne trahit pas son mari. Il l'aime jusqu'au bout. Il parle pas mal de son mari. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas de vous dire ça? Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, vous encouragez les femmes à parler mal de leur mari. Et vous les encouragez. Mais parfois, vous les applaudissez. Et la fin du temps, vous n'écoutez même pas de mari, vous avez déjà condamné. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors que vous devez savoir, c'est que c'est contre nature que une femme parle mal de son homme. Vous devez le savoir. C'est pas difficile, hein. Il n'y a pas de photo. Hein? De la même manière, un homme qui parle mal de sa femme, sans raison, n'est pas un vrai homme. Parce que l'homme doit protéger sa femme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il doit protéger sa femme. Amen. Alléluia. 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 Comme Marie, toi, tu es venu honorer aujourd'hui. Soit avec vous. Amen. Qu'elle intercède pour nous, pour vous, au Père de son Fils, Amen. Jésus-Christ. Quel que soit le problème
les difficultés que vous traversez en ce moment. J'implore Marie d'intercéder pour vous au nom de son Fils. Amen. Dans cette maison, il n'y a plus de femmes stériles. Amen. Les enfants que Dieu vous a donnés, Satan ne pourra plus jamais vous les arracher. Amen. Vos enfants prospéreront devant vous. Amen. Et vous serez des parents heureux. Amen. Mais je voudrais que vous vous rapprochiez davantage de Marie. Vous rapprochez davantage de Marie. C'est de vous souvenir. C'est de vous souvenir plutôt. Des fidèles qui sont malheureux, qui sont affligés, qui sont en difficulté financière. De prier pour les pays en guerre. Parce que chaque jour, Marie pleure aux frontières de l'Ukraine. Et là aussi, de ses enfants qui sont tués chaque jour. Cela nous a même été révélé que dans des feux atroces de guerre, parfois il y a 100 morts chaque jour. Vous l'en rendez compte? Et beaucoup de mères en vous pleurent de la disparition de leur mari et de leurs enfants. C'est pourquoi vous devez prier pour eux, de vous engager comme Marie s'est engagée. C'est pourquoi Marie, c'est Marie qui a prié Dieu de la laisser rejoindre son fils. Comme elle a vu qu'après le sacrifice de Jésus, les hommes n'ont pas changé. De façon citée à enfants ou monde. D'accord. Donc il faut soulager ceux qui souffrent. Ceux qui n'ont rien à manger, donnez-leur à manger. Amen. Ceux qui ont besoin de votre aide, apportez-leur votre aide. Amen. C'est important. C'est la mission de Marie sur la terre. Vous le savez ou pas? Oui. Oui. Et même parfois, que certains hommes sont condamnables par de mauvais actes, ça n'a jamais empêché Marie d'intercéder pour eux auprès de son Fils. Pour qu'il puisse trouver grâce. Pour que là où le péché abonde, la grâce de son Fils soit bonne. Pour que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que Marie vous accompagne dans toutes vos missions. Amen. Qu'il soit dans votre foyer. Amen. Dans votre quotidien. Amen. Qu'elle prie pour vous. Amen. Qu'elle vous transforme en profondeur. Amen. Vous donnez le cœur de Marie, le cœur que Dieu lui a donné, Amen. Le sacré cœur de son Fils, Amen. Pour que vous soyez portés parmi les biens de l'autre, Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen.